Rares sont les femmes qui aimeraient présenter quelques kilos en plus et se plaignent de paraître trop minces. Pourtant, elles existent. Et si vous aimeriez paraître un peu plus enrobée, regardez cette courte vidéo, je vais vous donner des conseils pour étoffer votre silhouette et vous rajouter visuellement quelques kilos. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre silhouette et donc à vous accepter pour mieux vous aimer. Et c'est là que votre rayonnement va en rejaillir sur plus d'un et plus d'une. Car mal vous connaître, ne pas maîtriser quelques astuces peut contribuer à vous entretenir dans une forme de jugement défavorable, alors que les solutions sont faciles à comprendre et surtout à mettre en application. Donc pour vous amener vers cette assurance qui produit l'effet « waouh ». Je vais donc vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de l'univers du conseil en image et du relooking que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent d'aider de nombreuses clientes et qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de rayure horizontale ou verticale. Alors, comment paraître plus enrobé? Premièrement, il est important de vous assurer que votre posture est bonne. Tenez-vous bien droite, la tête haute et les épaules en arrière. Quelles que soient vos préoccupations, le secret d'une belle image réside dans l'appréciation de vos atouts et dans un choix harmonieux et judicieux de vos tenues. Votre maquillage et votre coiffure doivent être impeccables, vos accessoires doivent être flatteurs et les couleurs attirer l'attention sous votre visage. L'objectif, c'est de créer une impression de volume et d'horizontalité par le vêtement. Faites aussi un usage de la couleur avec créativité pour souligner vos points forts et minimiser le reste. Veillez aussi à équilibrer votre silhouette par des détails de construction, des imprimés et des accessoires à votre échelle. Optez pour de petits détails, des imprimés fins et des accessoires plutôt réduits et délicats, parce que les imprimés audacieux et les gros accessoires vont engloutir votre minceur. Préférez aussi les tenues simples aux tombés parfaits. Choisissez la qualité dans les vêtements comme dans les accessoires. Alors, ensuite, deux axes principaux. Optez pour un maximum d'horizontalité et étoffez votre silhouette par du volume. Alors, comment créer de l'horizontalité? En portant par exemple des hauts et des bas de couleurs différentes, afin de segmenter horizontalement votre silhouette avec des changements de couleurs. Portez aussi des vestes à double boutonnage, des boutonnages espacés, des revers de vestes larges, des encolures larges, horizontales, des détails horizontaux dans les ceintures, les coutures, les empiècements, les revers sur les pantalons, si vous êtes grande, avec de grandes jambes, les détails ornementaux contrastés et aussi des par-dessus un peu amples, des manteaux cloches. Pour étoffer la silhouette, optez pour des tissus un peu fluides, moelleux et texturés, pour créer de la douceur et du volume. Portez des superpositions, des fronces, des finitions drapées, blousantes, un peu amples, des poches, plaquées, à souffler, à rabat, des boutons contrastés. Veillez également à camoufler les parties les plus minces et les plus osseuses de votre silhouette sous des foulards, avec des poignées de manches longues. Donc, la chose la plus importante réellement, horizontalité, volume. Faites vos essais, expérimentez et laissez-moi le fruit de vos essais dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre pour apprendre à mieux vous aimer et vous accepter. Les conseils que je vous ai donnés à l'instant rentrent dans les techniques enseignées dans ma formation. Si vous voulez par ailleurs avoir un peu plus de détails sur ce point, suivez le lien ci-dessous et vous pourrez ainsi recevoir une de mes vidéos plus dense, plus longue, qui vous livre les 5 ressources cachées de votre image.